Go Buster! Buster et ses amis sont à l'école. Et aujourd'hui, ils ont une visiteuse très spéciale. C'est Mummy Fire Truck. Hurrah! Elle est là pour leur montrer ce que fait un camion de pompiers. Quand un bâtiment est en feu, il faut appeler un pompier le plus vite possible. Que se passe-t-il ensuite? Un tuyau est attaché à la borne d'incendie et... l'eau atteint le feu! Youpi! C'est le moment de s'entraîner! Ils doivent renverser les cônes avec un jet d'eau. H est le premier. Yeah! Bien joué, H! Et Scout? Oups! C'est mieux! Bien joué! Maintenant, c'est au tour de Buster! Waouh! Attention, Buster! C'était une belle journée, mais maintenant, Mummy Fire Truck doit aller au travail. Au revoir, Mummy Fire Truck! Merci! C'est maintenant la fin de la journée et Buster rentre à la maison. Au revoir, Scout! Au revoir, Ash! Qu'est-ce que c'est? C'est de la fumée? D'où peut-elle venir? Oh non! C'est un incendie! Que doit faire Buster? Il a besoin d'un pompier! Buster va chercher Mummy Fire Truck pour l'aider. Teacher s'occupera de Ash. Allez, Mummy, allez! Voilà le feu! Aha! Et il y a une bouche à incendie! Prochaine étape, attachez le tuyau! Oh non! Vite! Ouf! Le feu est éteint! Youpi! Quel beau travail d'équipe! C'est le lendemain à l'école. Teacher appelle Buster devant la classe. Mais pourquoi? Regarde, Mummy Fire Truck. Elle est là pour remercier Buster de son aide et lui remettre un chapeau spécial de pompier. Allez, Buster! Oh waouh! Buster devient une fusée et va dans l'espace. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Regarde Buster qui file! Très bien, tu l'as fait Buster! Tu es dans l'espace! Oh, quel super endroit! Je crois que Buster veut explorer l'espace. Regarde ça, c'est une planète rouge. Approchons-nous pour mieux la voir. Hey, salut l'ami de l'espace! Je parie que cet alien n'a jamais vu un bus auparavant. Où vas-tu, Buster? Oh, une planète jaune! C'est magnifique avec ce grand anneau autour. Oh, regarde ça! Buster conduit sur l'anneau. Voyons voir comme tu peux aller vite! Waouh! C'était fun! Qu'est-ce que Buster a vu maintenant? Une planète violette! N'est-elle pas énorme? Waouh! Buster file tout autour des planètes! Autour de la planète violette, la planète jaune et la planète rouge! Mais... attends! Oh non! Une planète bleue! Buster va trop vite! Je crois qu'il va la percuter! Oh, ouf alors! C'était seulement un rêve! Tout va bien, Buster!
Regarde, Scout utilise son télescope pour regarder le ciel de nuit. Jette un œil, Buster. Voilà la planète violette, la planète jaune et la planète rouge. Bonjour, petit ami de l'espace. Dalibus emmène Buster, Bandit et Scout faire du camping dans les bois. Il est temps d'installer le campement. D'abord, ils doivent monter leur tente. Daddy leur montre comment faire. Il enfonce les piquets pour empêcher la tente de s'envoler. Regardez, ils maintiennent la tente en place. Ah, c'est fait! Pendant que Daddy Bus ramasse du bois pour le feu, Buster et ses amis terminent leur tente. Qu'est-ce que c'est? Bandit a des chamallows! Miam! Oh non, Buster n'a pas enfoncé les piquets correctement. La tente s'est détachée. Il ne peut plus rien voir. Attention, Scout! Oh oh! Elle est en train de s'envoler. Buster pourra-t-il l'attraper? Scout et Bandit se joignent à lui pour l'aider. Vas-y, Buster, tu peux le faire! Ah, elle est finalement tombée au sol. Oh non, pas encore une fois! Daddy Bus, attention! Oups, le bois de chauffage s'est envolé. Ouf, il va bien. Il est temps de monter la tente. Assurons-nous que tous les piquets sont bien en place cette fois-ci, Buster. Bon travail. Je me demande ce que Daddy Bus a prévu pour la suite. Waouh! Ils font rôtir des chamallows. Délicieux. Quelle bonne journée. C'est Halloween et Buster est chez son père. Il est déguisé en sorcier. Il est tellement excité pour Halloween, mais aussi un peu effrayé. Halloween, ça peut faire peur. Daddy a une idée. Il va raconter l'histoire d'un courageux sorcier qui est parti à l'aventure pour sauver Halloween. Le courageux sorcier est parti à la recherche de tous les trésors magiques d'Halloween. Waouh ! Il doit bien y avoir des pierres précieuses dans ce château. Mais la légende dit qu'elles sont gardées par un monstre effrayant. Waouh ! Ça fait un peu peur. Mais le héros sorcier a continué d'avancer dans le bois sombre et profond vers le château. Quel était ce bruit ? Qu'est-ce que c'est? C'est un loup-garou? Un fantôme? Un fantôme-garou? L'ombre devient de plus en plus grande! Ouf! C'est juste un chaton qui saute sur des rondins. Il n'y avait rien à craindre. Il a trouvé l'une des pierres spéciales! Hurrah! Enfin, le magicien a atteint le château. Mais comment entre-t-il à l'intérieur? Il doit abaisser le pont-levis. Mais comment? Ah ah! Avec de la magie, bien sûr! L'aventurier courageux est entré dans le château. Ah! Il a un peu peur. Mais il prend son courage à deux mains et se dirige vers l'intérieur. Les portes se sont refermées derrière lui. Oh non! Regarde, il y a un tas de pierres précieuses magiques. Hurrah! Mais il y a le monstre effrayant qui garde les bijoux. Le magicien va devoir passer le monstre. Attendez une seconde. Ce monstre doit se sentir très seul, piégé dans ce sombre château. Le héros sorcier a une idée. D'un coup de baguette magique, il rend le château tout chaud et lumineux.
Le monstre n'est pas du tout effrayant. Et il est si heureux d'avoir un ami qu'il décide de partager ses pierres précieuses avec le héros magicien. Hourra! Wouhou! Buster le bus est venu pour jouer. Attention à la peinture rouge, Buster. Oh, Buster a roulé en plein dedans. Regarde, Buster, tu as fait des traces rouges avec tes pneus. Je crois que Buster a une idée. Beau travail! Tu as peint un cercle. Un cercle est rond. C'est la même forme que tes roues, Buster. Maintenant, tu as colorié le cercle, Buster. C'est un cercle rouge. Hey, salut, Scout! Viens t'amuser avec nous. Nous apprenons les formes. Quelle forme peint Scout? C'est un carré. Un carré bleu. Un carré à quatre côtés égaux. Hey, bonjour, Digger. Digger est venu pour peindre des formes avec Buster et Scout. Quelle forme va peindre Digger? Digger n'est pas aussi rapide que Buster et Scout. Pas de souci, Digger a bientôt fini. C'est un triangle jaune. Un triangle à trois côtés. Digger a pris tellement de temps à peindre sa forme que Buster et Scout se sont endormis. Réveillez-vous tous les deux. Quelles autres formes pourrions-nous peindre? Un rectangle vert. Bon travail, Buster. Une étoile dorée? C'est fantastique, Scout! Et un beau cœur rose! Digger est en train de peindre un losange. Waouh! Regarde toutes ces couleurs! C'est un losange arc-en-ciel. Tellement de formes colorées différentes. C'était très amusant d'apprendre les formes. Nous avons fait un carré, cercle, triangle, étoile, cœur, rectangle et un losange. Bravo tout le monde! Buster est chez son papa aujourd'hui. Oh regarde, c'est Daddy Bus. Demain, Buster retourne à l'école. Ça va être génial! Mais d'abord, ils doivent se préparer. Daddy Bus a établi une liste de tout ce dont Buster a besoin avant de retourner à l'école demain. Il a besoin de son cartable, d'une boîte pour son déjeuner, de son livre d'école, d'une trousse à crayons et d'une règle. Son cartable, c'est fait. Sa boîte à déjeuner, c'est fait. Tout le reste, check. Oups. Et enfin, la dent de requin de ses vacances pour montrer et raconter son aventure à ses amis. Waouh! Buster a besoin d'une bonne nuit de sommeil avant d'aller à l'école demain. Bonne nuit, Buster. Le réveil sonne. Il doit être l'heure de se lever. Oh non, Buster s'est rendormi. Oh là là, et maintenant il va être en retard à l'école. Vite, il faut que tout soit prêt. De quoi Buster a-t-il besoin? Son cartable? Check. Boîte à déjeuner? Check. Trousse à crayons et livre d'école? C'est fait. Mais que lui manque-t-il? La règle. Aha! Elle est là. Et c'est l'heure de partir à l'école. Attends une seconde. Buster a oublié sa dent de requin. Vite, Buster, vite! Dent de requin, c'est fait. Ça va être la course pour arriver à l'heure. Allez, Buster. On dirait que le professeur commence à s'inquiéter. Tous ses amis sont déjà à l'école et il va être en retard. Oh non!
Ouf, il a réussi, juste à temps. Quelle matinée de folie! Hey, salut Buster! Et salut Digger! C'est un grand château de sable que vous avez construit là! C'est Sandy la mouette! Attention Sandy, ne te mets pas sur le château où tu vas... Oh mince! Pauvre Digger et Buster, ils ont dû passer tellement de temps à construire ce château de sable! Oust Sandy, envole-toi! As-tu vu Buster? C'est une forme rouge qui sort du sol! Je me demande ce que c'est! Beau travail Digger! C'est un triangle, n'est-ce pas super? Et regarde, Sandy a trouvé une forme jaune aussi. C'est un cercle. Peux-tu en trouver d'autres, Sandy? En voilà une autre. Celle-ci est bleue. Vite, sortons-la. C'est un carré. Il a quatre côtés. Waouh, il y a beaucoup de formes. Triangle, cercle, rectangle, hexagone. Sandy, attends, ne... Hein? Oh mince! Les châteaux de sable s'effondrent si facilement. Attends une minute, je crois que Buster a une idée. Buster et Digger rassemblent les formes. Je me demande ce qu'ils vont faire avec. Ils les entassent. Je crois qu'ils construisent une tour. Encore un morceau pour aller sur le haut. C'est ça, Buster. Doucement, doucement. Voilà, parfait. Waouh, Buster et Digger ont fait une tour avec les formes. Quelle bonne idée. Maintenant, ils peuvent reconstruire leur château de sable. Et regarde, Sandy peut se percher quelque part sans que tout s'effondre. Beau travail, Buster. Au revoir, Buster. Au revoir, Digger. C'est une froide nuit d'hiver. Que fait Buster? Oh, waouh! Un dessin de feu d'artifice! Buster est tellement excité car ce soir, il va assister à un vrai feu d'artifice. Mais attendez, il a oublié quelque chose. Un joli bonnet chaud. Voilà, maintenant, il est temps d'aller voir le feu d'artifice. Oh, qu'est-ce que c'est? Les feux d'artifice font des bruits forts. Oh là là, ils ont effrayé Buster. Il n'aime pas les bruits forts. Oh, pauvre Buster, il tremble. Que fait maman? Oh, la voiture de Buster fait des bruits forts. Mais ça ne lui fait pas peur. Quoi, ce bruit fort? C'est grand-père avec un sifflet de foot. Buster aime le foot. Ce bruit ne le dérange pas. C'est quoi ce bruit fort? Oh, c'est le pop-corn qui éclate. Buster aime le pop-corn. Ce bruit ne le dérange pas non plus. Waouh, les feux d'artifice sont si jolis. Peut-être que les bruits forts ne sont pas si horribles après tout. Buster va faire un autre essai. Waouh ! Regardez ces feux d'artifice colorés. Buster et Daddy Bus passent une journée au parc. Oh oh, attention papa. Ils vont jouer au football ensemble. C'est l'heure du coup d'envoi. Buster passe le ballon et... Oh oh, on dirait que Daddy Bus n'a pas tout à fait compris le principe. Mais Buster lui montre comment faire. C'est l'heure de la séance de tir au but. Buster tire et... Il marque. Oh non. Daddy Bus, tu vas bien? Ouf, il va bien. C'est maintenant au tour de Buster d'être dans les buts. Daddy Bus a l'air déterminé. Oups! Le ballon s'est envolé en l'air. Oh, regardez!
c'est Ash et Mummy Fire Truck. Buster les invite à rejoindre le jeu. Bonne idée, Buster. Ce sont les bus contre les camions de pompiers. C'est parti. Buster prend le ballon. Ash plonge devant. Mummy tire au but et... elle rate. Oups. Je pense que Buster a une autre idée. Je me demande ce que c'est. Ash et Buster font équipe. C'est maintenant les enfants contre les parents. Qui va gagner? Ash commence. Daddy prend le ballon, mais Ash le tacle. Il passe à Buster. Et Buster marque. Bravo Buster! Quel beau travail d'équipe tout le monde! Ils sont tous les deux très fatigués quand Daddy ramène Buster à la maison après une excellente journée à l'extérieur. Oh regarde! C'est Mummy Bus! Buster dit au revoir à Daddy Bus. Mais attendez! Buster donne le ballon de foot à Daddy Bus. Il a vraiment besoin de s'entraîner. Rassemblez-vous pour écouter l'histoire de Buster le sorcier. Voilà Buster le bus. Il conduit à travers la forêt enchantée. Mais attends, qu'est-ce que ceci au bord de la route? Je crois que c'est un livre de sorts, un grimoire. Waouh! Buster peut l'utiliser pour faire de la magie. Regarde, c'est Scout, Terry et Jessie sur la place du village. Je crois que Buster va essayer de jeter des sorts. Voyons voir. Waouh! Un chapeau de sorcier. Buster fait vraiment de la magie. Je me demande quel sort Buster peut utiliser pour aider Terry. Abracadabra! Waouh! Buster a fait pousser les plantes. Bon travail, sorcier Buster. Quels autres sorts sont dans le grimoire? Le sort de l'abeille? Oh, regarde! Buster a transformé Scout en abeille. Elle s'amuse beaucoup à voler dans les airs. Je crois que Jessie veut voler aussi. Quel sort peux-tu utiliser? Des bulles? Cool! Jessie flotte dans sa propre bulle. Bon travail, sorcier Buster. Oh, regarde, il est fatigué. C'est l'heure de la sieste, Buster? Oh oh! Je crois que plus rien ne va. Perte de contrôle. Vite, Buster! Tout doit redevenir normal. Dépêche-toi, Buster. Ouf! Tous les sorts ont disparu. Mais je ne crois pas que les amis de Buster soient très contents. Buster remet le grimoire là où il l'a trouvé. C'est sûrement une sage décision. Et c'est la fin de l'histoire Buster le sorcier. Merci d'avoir écouté. Aujourd'hui, Buster et sa famille vont faire un pique-nique. Buster est très excité. Mummy Bus est allé chercher Grandpa et pendant son absence, Buster et Bandy doivent préparer le pique-nique. D'abord, ils doivent étendre la couverture de pique-nique. Wow, le vent l'a emporté. On dirait une cape. C'est super, Buster. Bandy veut aussi une cape. Et c'est le combat. Buster s'imagine qu'il est un super-héros. Super Buster volant dans le ciel. C'est le méchant Bandy. Il a volé le pique-nique. Oh non, Super Buster doit le sauver. Ils se poursuivent dans le ciel. Allez, Super Buster, allez! Tu peux l'attraper! Oh non! Le méchant bandit vise Super Buster avec ses formes laser. Mais Super Buster est trop rapide! Waouh, regardez-le faire! Hourra! Super Buster a sauvé le pique-nique! Mais qu'est-ce que c'est? C'est une boule laser bleue géante! Oh non, qu'est-ce que Super Buster va faire? Ah ah! Il utilise le mât du drapeau comme une batte! Viens là, méchant bandit! Ah, joli coup, Super Buster! Ouah!
Waouh, c'était un jeu tellement amusant. Mais, oh non, ils ont fait un énorme bazar. Mummy Bus et Grandpa sont en route. Que vont-ils faire? Vite, ils doivent nettoyer. En tant que super-héros, bien sûr. Super Buster et Méchant Bandit nettoient la ville. Même les super-héros doivent nettoyer derrière eux. Juste à temps. Bon travail d'équipe, les gars. Et le pique-nique a l'air génial. Miam, miam, délicieux. Tout ce travail de super-héros leur a donné très faim. Voilà Buster le bus. Je me demande ce qu'il va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ceci? Regarde ce panneau de publicité, Buster. Ses pneus sont brillants et neufs. Peut-être est-il temps de changer tes pneus, Buster. En route. Oh, regarde, c'est Jessie la Jeep. Elle a l'air d'avoir du mal à monter la colline. Voilà Buster. Pauvre Jessie, je crois qu'elle a besoin de l'aide de Buster. Ses pneus n'ont pas l'air de bien accrocher la route. Tu y es presque, Jessie. Continue d'essayer. Oh, Buster, je sais que tu veux aller chercher tes nouveaux pneus, mais ton amie Jessie a besoin d'aide. Oh non! Jessie glisse en arrière! Ah! Bravo, Buster, tu es revenu pour aider Jessie. C'est si gentil de ta part. Oh non! On dirait que quelque chose ne va pas avec la remorque de Jessie. On dirait que le poids de la remorque la pousse trop vite vers le bas de la colline. Elle a perdu le contrôle, Buster! Vite, Buster, tu dois l'aider! Ça va aller, Jessie. Buster n'est pas loin derrière. Bon travail, Buster! Garde le contrôle de la remorque pour qu'elle ne se retourne pas. Oh non, le garage est droit devant. Elle ne va pas avoir le temps de freiner. Très bonne idée, Buster. Utilise tes freins pour ralentir Jessie. C'était moins une. Bien joué, Buster. Et regarde, ce sont les magnifiques pneus que tu voulais venir chercher. Oh, pauvre Jessie, ces pneus sont tout abîmés. Buster, je crois que quelqu'un en a plus besoin que toi. Oui, bravo, Buster. Jessie a vraiment besoin de nouveaux pneus. Ils sont très beaux, Jessie. Et tu n'auras plus de problème pour tirer ta remorque désormais. Et conduire en côte sera facile. Au revoir, Buster. Au revoir, Jessie. Il est temps pour Buster d'aller à l'école. Il ne doit pas oublier son panier repas. Voici Scat. Ils ne veulent pas être en retard. Mais qui est-ce? Un petit camion de pompiers? Buster lui fait signe. À l'école, l'instituteur a une surprise. C'est Ash. C'est le nouveau à l'école. Il va rejoindre leur classe. Ash va voir Buster parce qu'il lui a fait signe. Il est tellement excité de s'être déjà fait un nouvel ami. Aujourd'hui, les enfants vont apprendre à se garer. L'enseignant leur montre comment le faire correctement. C'est maintenant à leur tour d'essayer. Scout l'a fait. Bravo, Scout. Et Buster? Oh! Ash est très proche de son nouvel ami. Il suit Buster partout où il va. Il ne comprend pas que Buster essaie de se garer. Oh non! Je crois qu'il a un petit peu énervé Buster. Buster voulait un peu d'espace, mais Ash ne comprenait pas. À la pause, Buster et Scout jouent. Oh, le pauvre Ash n'a pas d'amis avec qui jouer. Mais Buster et Scout ont une idée. Ash peut jouer avec eux. Ils sont amis maintenant, après tout. Et voilà, ils jouent tous ensemble.
Oh, waouh! Bien joué, Ash! C'est tellement agréable de se faire de nouveaux amis. Je crois que Buster dort à nouveau. Où es-tu, Buster? Regarde toutes les balles géantes colorées et tous les jouets autour de toi. Cet endroit a l'air parfait pour une nouvelle aventure. Voyons voir ce que Buster peut trouver d'autre. Waouh! Regarde ce nounours! Regarde comme il est gros! Il a l'air tout doux et câlin. Ouh. Ah, c'est ça, Buster, fais-lui un gentil câlin. Ouh. Oh non, Buster, quel est ce bruit? C'est une pince géante. Je crois que Buster est dans une machine à pince géante. Attention, elles vont t'attraper! Oh non! Ouf, Buster, c'était juste un mauvais rêve. Regarde, c'est Scout. On dirait que Buster est encore un peu secoué. Mais tu n'as plus besoin de t'inquiéter, Buster. Regarde, Scout a quelque chose à te montrer. Je me demande ce que c'est. Oh non, c'est une machine à pinces. Buster a l'air effrayé. Scout n'en a pas peur. Peut-être que c'est rigolo. Ne t'inquiète pas, Buster. Scout est avec toi. Regarde, Buster, c'est ce nounours. Pourquoi n'essaies-tu pas de le gagner? Allez, Buster, sois courageux. Tu peux le faire. Ok, Buster, c'est l'heure d'attraper ce nounours. Prends ton temps. Ça a l'air bien. Ok. Et voilà. Tu l'as attrapé? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le nounours. C'est un petit bus jaune. Ce jouet te ressemble comme deux gouttes d'eau, Buster. Cela fait bien rire, Buster et Scout. Buster a maintenant surmonté sa peur des machines à pinces. Oh, regarde, c'est Buster et Scout. Ils jouent dans la neige. Ils s'amusent beaucoup à sauter et glisser. Bonjour, monsieur bonhomme de neige. Oh, mais qu'a vu Scout? Elle a l'air très excitée. Je me demande ce que c'est, Buster. Oh, waouh! Un étang gelé! Regarde Scout qui fait du patin à glace. Elle est très douée, n'est-ce pas, Buster? Allez, Buster, pourquoi n'essaies-tu pas? Attention! Oh, pauvre Buster, la glace est très glissante. Mais cela n'a pas arrêté Scout. Regarde-la. Je crois que Buster a peur de glisser. Allez, Buster, pas la peine d'être effrayé. Et voilà, tu vas t'habituer. Et voilà Buster lancé sur l'étang gelé. Ah, ils l'essayent vraiment. Ils s'amusent tellement ensemble à faire du patin à glace. Bravo Buster. Scout a l'air très impressionné. Oh waouh, regarde Buster qui vole dans les airs. Regarde, Buster, tu as fendu la glace. La glace se brise encore plus. Et elle se brise autour de Scout. Elle est bloquée. Buster, que vas-tu faire? Si tu te rapproches, la glace va complètement se briser. Oh, super idée. Monsieur Bonhomme de Neige ne va pas briser la glace, lui. S'il vous plaît, aidez-nous, Monsieur Bonhomme de Neige. Regarde-le, il est en train de sauver Scout. Ah, bravo, monsieur bonhomme de neige. Et quelle réactivité, Buster. Je ne pense pas que Buster et Scout referont du patin de sitôt. Merci, monsieur bonhomme de neige. Au revoir, Buster. Au revoir, Scout.